j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour un épisode de la life d'OC. Là c'est le deuxième épisode. Je vous préviens, mes vlogs ils sont... ça me ressemble, on va dire. C'est pas très structuré, mais en même temps je vous montre ce que je fais tout simplement dans ma vie. On va commencer par un haul PLT parce que j'ai reçu des affaires de chez PLT et je voulais vous montrer ma commande. Donc là on va commencer directement par cette combinaison. Franchement j'aime trop, je pensais pas qu'elle allait m'aller. Et honnêtement j'ai été surprise parce que vraiment j'aime trop le flow, genre pas trop serré, pas trop grand, mais en même temps je suis à l'aise dedans, je sais pas si vous voyez. Alors moi je fais 1m68, bon après je sais pas si vous voyez le bas, mais j'ai fait un tout petit tourlet là, parce que sinon ça traîne un peu avec mes baskets. Pour celles qui font ma taille ou un peu plus petite, ça va être un peu grand, mais après vous pouvez toujours retoucher. Je vous mettrai les références etc, vous inquiétez pas comme d'habitude. Pour ce qui est de la taille, j'ai pris un 44, et puis voilà, voilà pour la combinaison en jean. On va passer à la suite. Du coup, là, on est sur une robe bustier. Donc, franchement, j'aime beaucoup la matière. Elle n'est pas trop fine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transparente, etc. Après, au niveau de la taille, j'aurais préféré que ce soit un peu plus serré. Donc là, c'est un peu grand, je trouve que ça flotte un peu. Mais bon, j'ai pris du 42, donc là, je pense que j'aurais dû prendre du 40. Petit conseil, si vous voulez la prendre, prenez une taille en dessous. Sinon, après, c'est parfait. Genre, vraiment, la coupe, j'aime beaucoup. Elle est longue. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais... j'aime beaucoup la robe. Du coup, une autre robe, franchement, celle-là, j'aime trop. Genre, elle est pas trop moulante. Après, là, je vais mettre un petit cycliste en dessous parce que j'ai toujours pour habitude de mettre des cyclistes en dessous. Mais, la longueur, c'est parfait. La matière, j'aime beaucoup. Bah, elle est pas transparente, en tout cas de ce que je vois. Voilà, une autre petite robe que j'aime beaucoup, beaucoup. Je crois que j'ai pris 42. Sur les robes, je crois que je prends 42. Celle-là, elle est bien. Donc là, on est sur un trench que j'aime trop, je trouve vraiment trop beau. Voilà, simple, efficace, basique. Là, vous avez la petite ceinture. Bon, là, je fais un nœud à l'arrache, mais fermé, ça peut donner ça. Et sinon, vous pouvez le laisser ouvert. Voilà, j'aime beaucoup. Vous avez des poches ici, franchement, je trouve grave beau. Pour moi, c'est une pièce à avoir. Simple et efficace. Là, j'avais commandé un jean que je trouvais trop beau, mais il ne va pas. Je pense que, allez, d'ici un mois, je pourrais rentrer dedans. Parce qu'en soi, je rentre dedans, mais je suis trop serrée, je me sens trop serrée. Donc, je pense que d'ici un mois, je vais bien rentrer dedans. Mais il ressemble à ça. C'est une espèce de jean vert un peu. Franchement, j'aime trop, ça change. Et en fait, je l'avais pris avec un haut vert que je vais vous montrer. J'avais prévu de mettre les deux ensemble. Je trouve ça trop beau, genre vraiment... Bon, je vais pas porter ça parce que du coup ça me va pas. Et je trouve que ça change un peu parce que moi j'ai pour habitude de m'habiller en noir tout le temps. Et j'essaie de sortir de ça en fait. Du coup j'essaie de doser les couleurs et tout. Et franchement ouais. Donc je pense que dans un mois, je pourrais vous le recaler avec le petit haut. Et franchement le pantalon taille super bien. Là on part sur un ensemble jogging. Ça fait longtemps que j'avais pas commandé d'ensemble jogging. Et je me suis rendu compte que j'avais plus rien. Genre pour moi il te faut des ensembles jogging. Genre quand t'as envie de sortir vite fait et que t'as envie d'être bien quand même. Genre pas à l'arrache. Donc petit ensemble, pas resserré, j'aime beaucoup. Et voilà, un petit sweat, tu mets ça avec une petite paire, voilà, ça fait l'affaire. Et j'aime beaucoup, je me sens grave à l'aise dedans. J'ai aussi commandé un ensemble de beige archi beau, celui-là on me l'a beaucoup demandé. Je vais essayer de vous mettre un contenu où je l'ai porté, parce qu'en fait là il est à laver. Donc franchement celui-là c'est l'ensemble qui m'a le plus été demandé. Je vais vous mettre les références aussi, ne vous inquiétez pas. Il est trop bien, genre vraiment c'est un ensemble qu'il faut dans la garde-robe. Il y avait le beige et celui-là. Et franchement vous allez kiffer. Vous connaissez mon amour pour les bombers. J'aime trop ça, genre vraiment j'aime trop. Tu peux t'habiller archi simple, tu fous ça. C'est carré, là. Je le trouve trop beau. C'est resserré ici, c'est pas resserré en bas. Donc voilà ce que ça donne. Mais franchement j'aime trop. Genre les détails et tout, j'aime trop le bombers. Genre vraiment... j'aime beaucoup. Du coup, j'ai juste enfilé une robe que j'avais à côté, mais c'est pas avec ça que je vais mettre ces bottes. Mais les gars, je devais vous montrer. Genre, c'est des wide fit, ça veut dire que mes mollets rentrent. Je suis choquée. Parce que d'habitude, quand je prends ce genre de bottes, mes mollets ne rentraient jamais. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai de ouf. Et ça me saoule. Là, je me suis dit, j'espère que ça va le faire. Et ouais, franchement, ça rentre bien. J'ai même encore de la place. Et super confortable, genre vraiment. Je peux passer ma journée avec ces talons, genre vraiment, ils sont grave confortables. Je suis trop contente d'avoir une paire de bottes comme ça, parce que pour moi, il faut en avoir une. Et puis voilà, mes mollets qui rentrent, ça c'est génial. Vraiment, je... voilà. J'ai pris ma pointure parce que ça n'était pas grand ni petit, et puis voilà. Voilà les gars, pour mon petit haul PLT.
Ah oui, il y a aussi une autre tenue que j'ai reçue de la collection PLT Label. Elle est incroyable. Genre vraiment, les matières et tout, j'ai kiffé. Genre vraiment, ça taille bien et tout. Je vais vous mettre là une tenue que j'ai reçue. Parce que là, j'ai oublié de la porter pour vous la montrer. Mais elle est vraiment trop trop belle. La collection, elle est ouf. Donc n'hésitez pas à aller voir. Parce qu'ils ont vraiment des pépites. Et voilà. C'est parti! C'est parti! Alors, tu peux truquer. Hein? Merci. Merci. Alors les gars, on va faire voiture à parc. Parce que Yon, il a des programmes. Ouais, je vais voir le match de Cédric Doumbé, mais pas à l'Accor Arena. Avec des amis. Ok, bon, allez, salut. Bon, les gars, j'ai mis plus d'une heure trente pour aller à l'event. Yohan, il s'est garé dans un autre parking tellement c'était la merde. Chacun a pris sa route et me voilà en train de le rejoindre. Là, j'ai mis mon GPS et voilà, c'est parti. Là, c'est sûr, Yohan, il est archi énervé, sûr et certain. De toute façon, on a roulé là, juste quand ça a appelé. C'était trop. Bref, à tous. Moi, je suis à 5 minutes. Fais coucou à mon vlog là, on te voit. Bon, à toutes, parce que là j'ai mis le GPS. À toutes. J'en ai encore pour 5 minutes. Les gars, 5 minutes. J'ai l'impression, j'ai quitté à 9h du matin chez moi en fait. En plus, le pire c'est quoi? C'est qu'on va arriver et l'événement il sera sans doute terminé, mais genre sur la fin. C'est-à-dire, ils vont nous regarder en mode. En fait, c'est fini en fait. Là, il y avait un parking juste là, mais en fait, ils ont bloqué les routes. Regardez, c'est fermé. Ça veut dire que bah, j'ai pas pu me garer là en fait. C'est pour ça que j'ai trop la rage. Et là, je raconte ma vie, mais j'ai trop la rage. Je devais arriver à 20h10. Je suis arrivée à 20h45. Enfin bref. Regardez qui voilà. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de mettre 2 heures de deux routes, wesh. Quand on habite à Lille. Eh. Carrément, j'ai chaud en fait. Là, j'ai chaud. On est arrivé. Regardez. Bonsoir. Oui. Et c'est trop une dinguerie. Donc là on est arrivé. En plus on peut même pas manger vu qu'on est en diète. C'est trop grave ce qui se passe. C'est ça, on est venu faire aux événements. Je vais essayer ma caméra parce que ça là, elle arrête pas de dire que je filme dans l'eau. Elles vont bien, hein. Pas mal, hein. Elles vont vraiment bien, je trouve. Ouais, je t'ai dit. Mais moi, je propose de les prendre et de courir. Hein? Je propose de les prendre et de courir du mec hors du magasin. N'importe quoi. Je pense qu'ils vont pas voir, je te mais jure. N'importe quoi. Tu fais quoi, Yohan? Quoi? Tu fais quoi? Je prends de la citronade. Ouais, ça va, elle est bien. Donc, bien. Bon, les gars, l'événement est terminé. Ouh là là, c'est pas collé, hein. Attention. Là, je vais à ma voiture. Yohan, il est parti. Parce qu'il va regarder le match de Cédric Doumbé avec ses potes. Je vais me faire une petite soirée. Solo Mio. Ça attrape quand je serai à ma voiture, je pense. Mais déjà, le parking, c'est Pont Neuf. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est Pont Marie, je crois. Bon, les gars, c'est bon. Je suis dans ma voiture. Donc là, je vais prendre la route. J'en ai pour 57 minutes. Je pense que c'est à cause des routes bloquées et tout. Donc, je vais rentrer tranquillement. Et puis, voilà. Je pense que ce sera tout pour la soirée. Parce que je vais rien faire de grandiose quand je vais rentrer. Je pense que je vais vous reprendre demain pour la pyjama party avec Pretty. Donc ça va être trop trop bien, j'ai trop hâte. Et voilà, on s'attrape demain. Gros bisous. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée tranquillement. Je suis allée dans le centre commercial pas trop loin de chez moi pour regarder un peu ce qu'il y avait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste manger. Et je vais faire mon sac pour la pyjama party avec PLT. Du coup, normalement, on va aller en van du showroom de PLT. Et y aller directement, mais comme demain j'ai un mariage, j'ai décidé de prendre ma voiture, comme ça je rentre plus tôt et comme ça je serai pas en retard pour le mariage de demain. J'ai trop hâte de la soirée, je sais pas il y aura qui,
connais pas le groupe, mais je sais que ça va être bien, parce qu'en vrai, quand PLT organise des trucs, c'est toujours bien. J'attrape tout à l'heure, je vais faire mon sac en chap-chap. Je vais pas me maquiller pour y aller, parce que comme c'est il y aura piscine et tout, en vrai, pas besoin de se maquiller, et je me maquillerai pour le soir. On s'attrape tout à l'heure. Bon, les gars, c'est parti pour... attendez, faut que je regarde le temps. Je sais même pas combien de temps je vais mettre pour y aller. C'est parti pour 1h35 de route, j'arrive à 17h. Ouais, à 17h. Donc, let's go. Bon, les gars, je suis arrivée. Et ma tête, elle ressemble à rien. Bref, je vais arranger ça après. Je suis arrivée. J'ai mis 1h30 pour venir. Les autres, ils sont même pas arrivés, dites-vous. Elles auraient dû arriver avant moi, mais bon. Je savais qu'elles allaient être en retard. Du coup, là, j'ai la décoratrice, donc elle est déjà sur place. Là, je vais sortir de ma voiture pour voir un peu ce qu'il en est. Et je vais sortir mes affaires après. Et je vous attrape quand les filles seront là. Coucou! Ça va ou quoi? Ça va et toi? C'est parti, franchement c'est la journée internationale de la femme. Eh, on a trop souffert les gars, ouais. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est parti en fait. Ça va péter en fait. Ça va. Et ça c'est ma star. Et ma star. Bonjour ma vie. Coucou ma vie. Ça va ma vie? Ça va et toi? Oui ça va. Ça c'est ta voiture, j'ai pas suivi là. Si. Mais si c'est ma voiture. Mais j'ai pas suivi. Oh putain. Pardon. Pardon, excuse-moi. Ah je suis mort. Coucou. Ça a les bons bails de vlog. T'as capté? Ça va? Ça va et toi? Coucou mes seins. Coucou. Là c'est plus vlog Abidjan. Ah, là, on est plus dans le... Ça va là-bas? Vous avez mis tellement de temps à venir. Bah mais les embouteillages ma belle. T'as pas compris la déco à l'intérieur. Mais... Ok, t'as pas compris. Toi, t'es resté après, t'es ressorti. Ouais, je suis ressorti pour faire genre un peu avec vous, tu ouais, vois. Okay. T'as pas compris, je crois que t'as pas saisi. Ok. Coucou. Ça va, monsieur? Tout va bien? Attendez l'intérieur, vous allez voir. Bon, les gars, vous avez récupéré toutes vos valises? C'est trop beau. C'est une dinguerie. T'as pas vu l'intérieur encore? Ah, t'as déjà visité? Ouais, parce que j'étais là. C'est super. Mais vous allez voir. Je suis choquée. C'est qui tous ces gens qui nous attendent? Toi, c'est ça, toi? Toi. Regardez, hey, j'ai trop hâte. Je suis choquée. On va laisser les valises là 5 secondes, parce que juste pour l'entrée, d'accord? Et voilà. Comme ça je filme, comme ça tout le monde filme bien. Comme ça on va avoir les réactions, poser tout ici, comme ça on a les réactions en truc direct. Ok. C'est pas fixé. Mais chut. Chut, tu dis rien. Okay, allez pas là-bas, ok? On filme, on filme pas. Attends. J'ai la pression. C'est trop drôle. Tout sous vlog, c'est super drôle. Elle est sur tous les fronts, jusqu'à. Sur la vie de ma mère. C'est bon. 5. Mais ouais, il va se passer quoi quand tu vas ouvrir? On doit crier. Attends. 3. 2. 1. Happy International Women's Day. Mais il est fou. C'est wow. Tellement beau. Waouh. Bonjour les filles. C'est pas du pilates, c'est pas du pilates. C'est quoi? C'est du yoga en fait. Du yoga. C'est une dinguerie. Waouh. Moi je fais comme si j'avais jamais vu un waouh. Waouh. Et je fais comme si j'avais jamais vu. C'est tellement beau les gars. Là je prends les réactions des gens. Voilà. Incroyable. Incroyable. Wow, c'est vraiment magnifique. Attends, on va voir la piscine en. C'est là-bas. Non, j'ai vu. Ça chauffe. Il y a des pétales. Attends, et il y a des filles, je pense à me faire un peu. Ok en fait. Il y a 5 fours. Alors les filles. Ouais, c'est ça que tu remarques. Il y a 5 fours. Les filles, juste ici. Go Annie. On va se faire masser et tout. Ah oui, on a les tenues aussi. Ah ça j'aime bien les tenues. Ouais, avec les chaussons et tout. Moi c'est marron, j'espère. J'espère que nous c'est marron. Nous on veut marron. De toute façon, on peut pas ça. Il y a des ombres. Les noirs. On veut marron. Tu fais rigoler tes machettes. Tu comprends toi, t'es mort. Ouais, c'est super drôle. Mais c'est génial en fait. Donc on a le haut et le legging et tout. Pour faire du yoga. Let's go. Regardez la piscine. Avec les cheveux. Ah, moi, je vais venir plus souvent. Je peux pas le voir. Trop beau. Et on a de la maison des secrets. J'ai mis mon sac au milieu. On va se faire masser et tout, wesh. Waouh. Je rêve, les chichas.
C'est le nom, c'est un narguilé en fait. En fait. Imagine maintenant la caméra tombe dans l'eau. Merci. J'ai envie de partir. Il y a des calés, il y a des pas. Donc voilà. On dort toutes les quatre ici. Moi je m'en fous, je peux dormir sur les trucs, ça se voit c'est confortable. Ah ouais non mais c'est lourd en fait. Et en haut c'est quoi? Mais c'est une dinguerie. Déjà la chambre c'est une dinguerie, mais la salle de bain s'il te plaît. Attendez, on va voir ça tout de suite. J'avoue. Regardez. Mais Sam, genre tu fais du yoga là? Tu reprends l'air. Tu vas pas du tout. Il faut repousser l'air. Tu prends l'air positif et tu repousses l'air négatif. What? Ah, c'est un passing tout le temps quand je vois ça. Là, oui. Okay. Donc là, c'est parti pour faire du yoga. Bon, bref, c'est parti pour le yoga. Ouais, c'est ça, c'est bien. Super. Faut poser les talons. Ouais, les talons. Comme si on posait les talons. Ouais, comme si tu veux pousser les talons dans ta vie. Vous avez fait des belles postures. Bravo. Merci. Là, on va récupérer nos peignoirs et on va se faire masser au fait. Moi, je t'ai pas dit. Moi, j'ai ma période directe. La vie, ma mère, elle va me masser mes nattes. Je veux rien. Arrête. Assis. Ah, oui, on s'en fout. Hein. Trop bien, on a nos peignoirs et tout. Non mais moi, mes nattes, elles sont moches. Hein. Oui, moi aussi. Ah, c'est vilain. Ils sont lâches, aussi. Je veux rien savoir. Après, dans la piscine, non mais dans la piscine, il faut faire genre un peu. Bah oui, dans la piscine, je vais mettre on met une pince et tout. Oui, oui. Sinon, on va ressembler à des fesses. Oui, oui, bah oui. Les gars, là, on se prépare un repas ensemble. Bien évidemment, j'ai mis une robe pelletée. Je vais montrer ici. T'inquiète. Ils sont pas ça. Donc, j'ai mis celle-là que je vais vous montrer. Le feu sur vous. T'as cramé. T'as pas des patchs pour les yeux, je pense que c'est. Montre que t'as cramé. Les patchs. Oh purée. Bah non, mais c'est où, c'était où? Bah, c'est désolé. Trop mignonne. Merci, toi aussi. Ouais, trop merci. À qui ça? On dirait vraiment pas que j'ai 30 ans. Ah oui? Bah, j'aurais pas dit 30 ans. Là vraiment comme on chavit, tu peux pas dire j'ai 30 ans. Bien évidemment, je vais mettre des talons. Et puis voilà. Waouh, je suis à côté de Maïsan. On reste en Trivoirienne finalement. Ben en fait. Wow. Ah moi je suis à côté Oh waouh. Et Océa. Oh waouh. Oh waouh. Je suis pas en fait. Voilà. À côté moi aussi, je Maïsan. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Et Zara. Dis bon appétit. Bah, c'est la dernière fois que tu peux dire comme ça en fait. C'est une sauvage. Je peux. C'est une sauvage en fait. Donc là on attend. On va trop bien manger. Mais oui en fait. Bon, je me présente Abdou. Moi aujourd'hui avec mon équipe, on préparait votre repas. Une fois que j'aurai posé, je me présente. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Merci. C'est l'heure de dormir, il est 2h49, donc je vais me démaquiller et puis salut, on se dit à demain, enfin à tout à l'heure, parce que demain, voilà. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, donc j'ai très bien dormi, peu, mais j'ai bien dormi, désolée j'ai pas de crème sur les mains, je vais en mettre tout à l'heure. Là, petit brunch, après je prends ma voiture et je rentre. Je rentre pas avec eux en van parce que bah, j'ai un mariage et sinon je vais être en retard. Donc voilà, franchement, c'était incroyable. Genre, hey, la maison, incroyable. Genre, trop, trop bien. Ils ont tellement bien organisé. Genre, ça a grave fait du bien. Le massage, la piscine, tout était parfait. Là, il y a un petit brunch. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Je vous montre ça. Regardez, c'est pas trop beau. On va bien manger le gâteau. Fraise, framboise, myrtille. C'est bon ou pas? Okay.
Qui danse après le framboise? Presque framboise myrtille. Hein? Presque framboise myrtille. Presque framboise myrtille. Ah ouais. Bon appétit, Hélène. C'était avec Cali. Bon appétit. Bon, c'est l'heure de rentrer. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se voit bientôt. Ouais. On dit pas où. On dit pas où. C'est un plaisir de vous accueillir chez moi. N'hésitez pas à venir. J'ai aimé que vous vous sentiez comme à la maison. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu l'entends parler? Non. Ah d'accord. Bisous. Merci pour l'accueil du coup. Elle est venue en spring break. Elle. Spring break. Au revoir ou baba. Tu dis au revoir à mon vlog. Au revoir mes loups. Sachez que grâce à... Non, alors tu rapproches plus jamais ta main comme ça. Sachez que grâce à Océane, je vais peut-être devenir riche. Donc si vous voyez du changement, c'est elle. C'est ok. Elle. Okay. C'est elle. C'est beau. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Au revoir Maëlys. Pour de nouvelles aventures. Eh, c'était trop bien. Franchement, vous avez trop d'aide. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Est-ce que tu peux dire que c'était mieux que la carte? C'était... Coupé au montage. C'était... mieux que la canne. Ah, t'es payé. Non, en vrai, c'était trop bien. Non, en vrai, vous avez d'aide. Vous avez vraiment d'aide. Il y a le chauffeur, donc moi, j'ai mon chauffeur. Qui est moi-même. Il est trop vénère. Donc, salut. Tu veux qu'on t'appelle? C'est elle. Maïsa, tu peux dire au revoir à mon vlog, s'il te plaît? Au revoir le vlog. J'ai pris le plaid avec moi. Et j'ai aussi le tapis de yoga. Il est dans ma voiture. Salut les filles, faut dire au revoir à mon vlog, c'était merci trop bien, vlog. Merci au revoir, bisous, allez salut les filles, bon du coup les gars, je suis arrivée, en fait j'ai pas pu passer par chez moi parce que sinon j'allais être en retard, sachant que j'ai rendez-vous à 14h pour la mairie, il est 13h28 mais au moins je suis devant la mairie, parce que j'aurais pas pu aller jusqu'à chez moi et revenir, donc du coup Yann va me ramener ma robe. Et je pense que je vais me changer dans la voiture. Bon, c'est bon. Yohan, il est venu. Il est arrivé. Donc, il va me passer ma robe. Mais le bail de lace, oh, regardez. En fait, là, quand c'est comme ça, c'est la couleur. Et quand c'est un peu comme ça, vous voyez, c'est clair et tout. Je comprends rien. Coucou. Coucou, t'es beau. Montre-nous ton outfit. Car moi, j'ai bégayé. Attends, je vais pas me faire renverser. Waouh, c'est ma robe que tu tiens froissée, froissée comme ça, Yohan. T'as dit quoi? C'est ma robe que tu tiens en boule, là. Je... tu veux que je la tienne comment? Ça... oh Seigneur, qu'est-ce que je veux? En fait, j'ai capté. Tu veux me saboter en fait? Elle est pas froissée. Ça va? Bah non, ça va pas, t'as froissé ma robe. Tu m'as manqué un peu. Merci. J'ai paniqué. Merci, je t'ai manqué, merci. Bah allez. Ah, toi aussi, tu m'as manqué. C'est parce que j'ai paniqué. Ok. Bah vas-y, il faut que tu te changes là. Parce que ouais, bon, je vous laisse les gars, je vais mettre ma robe froissée. J'ai trop la rage. Elle est pas froissée. Mais si, elle est froissée, tu me l'as ramenée en boule. On dirait que c'est. Wesh. Je me ramène une boule de foufou là. Voilà toute. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, là je me suis préparée vite fait. Qu'est-ce qu'ils font toi? Là je me suis préparée vite fait. Il y a mon pote Isma qui est venu me chercher. On va aller au concert de Kimberley. Donc c'est une chanteuse de gospel. Là elle est en concert au CRC. Donc c'est une église à Saint-Denis. Et donc let's go. C'est parti, je vous emmène avec moi. Donc voilà, je suis avec Isma. Coucou, c'est lui qui est venu me chercher. Il m'a proposé d'aller voir Kimberley et tout, c'est trop gentil. Fallait voir dans quel état j'étais quand il m'a appelé. C'est vraiment dans un état vraiment Charlotte sur la tête. J'étais pas prête. Hein. Pas prête. Je me suis préparée archi vite. C'est parti, on va. Et elle respecte le timing. T'as capté. C'est une go qui respecte le timing. Je suis à l'heure en fait. Je suis à l'heure. Ma copine. Et là, il y a ma copine. Et puis tu passes bien la caméra, hein. Oh, t'es belle. Trop mignon. Hey, c'est la bijenesse vraiment par excellence en fait. Montre ton outfit, ça c'est ma star en fait. Petit tailleur Zara. Voilà ma star. T'es belle, t'es très belle. Tu peux me garder une place à côté de toi? Ok. Tiens. On va tous les trucs. Et Réja, comment tu m'as manqué? Et de la gloire de Dieu. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, nous allons maintenant accueillir. Il faut la donner de la force. Donc aujourd'hui, nous allons vivre un grand Total Praise Massacre. Too much joy, too much joy, it's just come on.
Est-ce que vous avez apprécié le concert? Inès, elle, ouais, attends, elle a tellement kiffé qu'elle est perdue. Inès, t'as aimé ou pas? Yeah, man. Franchement, c'était trop trop bien. Si vous voulez assister à des concerts comme ça, il faut suivre le crc.international sur Instagram. Et vous allez voir, ils font des événements et tout, c'est comme ça. Voilà, bisous. Bon, les gars, le concert était trop trop bien, vraiment. Là, je suis avec Inès. Donc avec les filles, on va aller manger au Paradis du Fruit des Champs-Élysées. Normalement, on aurait dû aller dans notre restaurant préféré, mais il est fermé, on a trop la rage. Donc du coup, on a dû trouver un restaurant qui était ouvert, parce que là, il est minuit. Donc voilà, on va sur les champs entre copines et puis voilà. Excusez-moi, on n'est pas au complet pour aller... On n'est pas au complet pour aller manger là. Oh, du coup, on va manger au paradis. Non, mais en vrai de vrai, elle aime tellement le paradis du fruit. Elle est eh, c'est trop. Ah, mais si, Ismaël est là. De toute façon, il y a Misco à côté. Elle est née pour ça. La compréhension. Mais tellement t'aimes le porc. Eh, j'ai trop la rage. Elle qui l'emmène ici. Mais non, pas Misco. Mais jusqu'à quand tu me vois, tu me fous la rage. Imaginez, ils disent ouais, on peut plus manger. Je peux m'évanouir. Non, j'ai dit un peu sur internet, j'ai appris. Merci beaucoup, c'est fermé. Très bien. Dina, tu chantes plus? On est chaud. Mais moi, mon cœur est déchiré. Mais vous savez que j'ai archi mal au cœur. Vous savez que j'ai archi mal au cœur. On va voir quoi chez Misco? On est allé pour Joséphine. Moi, je sais. Mais nous, on est allé pour Jojo. On est dans quel pays là? Bon, là on est en train de. Eh! Hey, Pedra Alta! Mon affaire! Il n'y a pas de dessert, wesh! À Pedra Alta? Ah, mais il y a un truc qui est ouvert pour les desserts. C'est toi qui dis cocktail? Cocktail! C'est cocktail! Non, moi je dis cocktail! 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 Ah bah c'est bien! C'est cocktail! Moi je dis cocktail! Eh, tu me fous la rage! Elle dit pas cocktail, en plus elle dit cocktail! Bon, Ariel, elle a trouvé une solution, va piano. Maintenant, si on arrive et que c'est fermé, Ariel. Non, commencez même pas à donner une solution. Hey, dans la restauration, quand il fait une heure, c'est fermé, à minuit sur la cuisine. Bah alors, oui, faut dire des mots. On n'a pas perdu assez de temps. Je pense qu'on doit avoir un plan d'action. Excusez-moi, je pense qu'on doit se répartir. Non, moi, toi, t'as besoin de sortir de l'église. Quelqu'un qui va à Gendas, d'autres qui vont au McDo. Moi je vais au piano. Les gars, moi j'appelle. Ah, mais ils répondent pas. Parce qu'il y a écrit fermé. Je vous explique. Nous faisons un SWOT plus un benchmark pour choisir un restaurant. Mais c'est une dinguerie. Mais venez, moi on va au Fouquet's en fait. Dimanche, 23h30. Ah bah c'est fermé. Mais toi, t'as regardé les horaires de Los Angeles ou quoi? La restauration que j'ai créée une minute dans la cuisine. Tu regardes sur plan? Parce que. Le référencement n'est même pas bon. C'est même pas bon le référencement. Non, regardez. Ils sont pas à jour sur. Voilà. Il y a écrit confirmé par l'entreprise et il y a son. Non, regardez. Ah, elle regarde son map. Mais maintenant, on t'appelle et répond pas. Vous voulez faire quoi? Un garçon, oui. Attends, vous avez regardé. Elle regarde son Doctolib. Elle a regardé son Doctolib si c'était ouvert. Attends, mais dis pas qu'ils ont regardé la taverne des rois. Elle a dit son Doctolib. Le pont là, vous avez regardé quel resto? Et là, c'est le drame. Mais c'est le Irish Pub. Je l'ai bouffé. J'étais ouverte, je vais la bouffer. T'es morte. Depuis quand va. Estelle! Mais Estelle, t'as tout gâté le plan. Elle a. Oh, je suis choquée. C'est gâté, mon là. En fait, on va aller au. Tu m'as déjà vu la taverne des rois, mais. C'est la télé-réalité. Elle m'a dit de regarder la taverne des rois. C'est la télé-réalité. Tu t'es pas dit 23h, c'est bizarre. Elle a tout gâté. Alors qu'on avait jusqu'à minuit pour y aller. Alors, pardonnez-moi pour la soirée. J'ai gâté la soirée. La taverne des rois, elle est une fois dans sa vie. La soirée. C'est même pas le restaurant on va de base. Pardonnez-moi, population. Mais Estelle, je suis choquée de toi. T'as paniqué en fait. Moi je me sens méchant. Pardon. Je vous demande pardon. Ben. Ouais, on a foi. Et depuis tout à l'heure ça parle, il craint de ouf. Et je vais mourir. Et puis oui, ça parle bien à 1h du matin. Mais Estelle, elle a tout gâté. Et puis maintenant tu vérifies, ça va. Oh non. Eh, en fait on voulait aller à un resto, on va d'habitude. Estelle, elle a regardé le mauvais restaurant. En fait ça ferme à 1h du matin. Je suis outrée. Mais on a bombardé pour aller sur Paris. Je suis outrée. Je suis choquée. Eh, venez voir quick. C'est moi, je te dis, mais écoute, je sais pas. Vous savez c'est quoi le pire?
c'est que je crois que parmi nous toutes, c'est moi qui ai plus la dalle. Mais non, t'as pas assez la dalle, ça me fait mal. On donne des bêtises comme ça. Ça me fait mal. Je suis outrée. On a fait Stade de France pour venir avec nous. Je suis outrée. Bon, va piano, c'est fermé. Il y a Ariel qui revient. Donc ça se gâte. Je vais mourir. Alors, c'est fermé depuis quelle heure? Il n'y a plus cuisiné, il y a rien. Ah purée, c'est tout est fermé. Bon bah on va à Five Guys. Bah on n'a pas le choix. Eh, c'est quelle tête de pute? Moi je vais manger les bergers hein. Je vais manger les bergers. Bon les gars, là nous sommes au Five Guys. On est venu manger ici parce que bah il n'y avait pas d'autre choix. Donc voilà, bon appétit. Les filles, je sais pas où elles sont, elles ont tardé à faire leur commande, donc elles vont venir après. Voilà, bisous. Bon les gars, je suis bien rentrée chez moi. Là je vais juste me démaquiller, me toucher. Et voilà, ma tête ressemble plus à rien. Je suis KO. Oui, pour la référence de cette perruque, ceux qui la veulent, c'est dans mes vidéos YouTube. Vous avez tout à chaque fois. La miniature où j'ai cette perruque, ben, vous allez la voir. Et comme ça, dans la description, vous aurez le lien. Et voilà, je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'était vraiment ma vie. J'ai vraiment kiffé partager ça avec vous. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Je vous fais plein de bisous.